suis vraiment, vraiment contente, super excitée de vous rencontrer aujourd'hui. Mon nom, c'est Marie-Christine Bélanger. Aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube. Je vous l'offre. J'ai l'impression de l'accoucher. Je suis très nerveuse, mais très contente de vous présenter mon nouveau projet, Monde Maribelle. Cette chaîne-là, c'est une chaîne qui va être dédiée aux personnes empathes et hypersensibles. Je suis une personne à sensibilité élevée, hypersensible et empathe. Qu'est-ce que c'est une personne hypersensible et empathe? Quelles sont les caractéristiques, les particularités? Je vous en parle un petit peu plus loin dans cette vidéo-là. Et comme je vous dirais, de toute façon, chaque capsule va toujours être un mini-sujet sur comment on vit, c'est quoi vivre comme personne hypersensible et empathe. Mais avant ça, j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ça résonne chez vous, ce que je vais vous dire, si vous vous sentez concerné ou si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. Est-ce que vous êtes déjà fait dire « Arrête de pleurer, tu pleures tout le temps pour rien » ou bien « Mais t'es donc bien susceptible, arrête de tout prendre personnel » ou « Non, t'es bien trop sensible, tu devrais t'endurcir un peu plus » ? Sinon, avez-vous déjà ou à quelques reprises, parfois ou souvent, ressenti que vous ne cadriez pas dans le moule, vous n'arriviez jamais à répondre à la norme? Il y avait les autres, puis il y avait vous. Vous êtes toujours en train de pédaler ou de s'adapter à la réalité des autres. Saviez-vous que 20% de la population, selon des études scientifiques, quand même, il y a énormément d'études qui ont été faites dans les dernières années sur l'hypersensibilité. Donc, 20% de la population, quand même, peut se définir comme étant hypersensible. J'ai deux auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à lire depuis quelques années, je dirais. Ellen Aaron et Judith Orloff, qui ont écrit sur le sujet. Ellen Aaron a écrit plus sur les personnes hypersensibles. Elle a fait énormément, elle fait toujours énormément de recherches avec son conjoint sur le sujet. Et Judith Orloff, elle se spécialise un peu plus au niveau des empathes. Je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos au niveau des sites web que vous pouvez consulter, donc les sites web de ces auteurs-là. Donc, je disais, 20% de la population peut se définir comme hypersensible. C'est quand même un grand pourcentage dans la population. On ne parle pas de 1%, on parle de 20%. Et dans ce 20%-là, on a quand même 50% hommes, 50% femmes. Donc, messieurs, il y a quand même plusieurs d'entre vous qui vont peut-être se reconnaître. C'est sûr que les hommes, parfois, quand on parle de sensibilité, ne vont pas nécessairement s'assumer. Ben c'est ça. Je vais essayer d'aller vous chercher aussi pour vous amener dans la communauté, pour qu'on puisse tranquillement sortir de nos cachettes et de nos cavernes, parce qu'on a tellement, tellement à apporter au monde avec cette grande sensibilité-là. Tellement. Donc, il est temps qu'on sorte! Donc, Ellen Aaron utilise l'acronyme DOS. Je vais utiliser pour l'instant des termes en anglais. J'attends son livre en français que je vais utiliser éventuellement, mais pour l'instant, j'utilise un acronyme DOS pour définir des caractéristiques d'une personne hypersensible. Donc, le D se dit pour Deep Processing. Donc, on est toujours en train d'analyser nos pensées, d'analyser ce qui se passe autour de nous, les gens qui sont autour de nous. C'est vraiment le cerveau. Le cerveau, c'est ça, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est les ondes de notre cerveau quand on est hypersensible. Certaines ondes ne réagissent pas de la même façon qu'un autre cerveau. Donc, c'est des ondes qui vont être hyperactives dans certaines occasions. Donc, D pour Deep Processing. Le O du DOS pour Overstimulation. Donc, c'est très facile quand on est hypersensible. Ouais, en tout cas, ça dépend des journées, mais on peut facilement être surstimulé parce qu'on est toujours en train de s'adapter justement puis d'analyser les stimuli qui nous entourent dans notre environnement. Le E, on a je dirais, elle utilise le E pour strong emotions et empathy. Donc on est des personnes qui ressentent les émotions, que ça soit positif ou négatif, donc on va ressentir une peine, comme si c'était la plus grosse peine de notre vie, puis une joie, un bonheur, un plaisir, une sensation agréable. Ouf, ça aussi, ça va être ressenti puissance 1 million. Donc oui, c'est ça. C'est sûr que c'est vraiment... Ce que ça amène aussi, c'est qu'on peut avoir parfois ou souvent dans une journée des changements d'humeur. Parce qu'on va vraiment avoir une intensité au niveau du ressenti. Et cette fameuse empathie-là, ben, je vous dirais que c'est une des plus belles caractéristiques de la personne hypersensible et empathe, justement. C'est qu'on est capable de se mettre dans la peau de l'autre. Juste de vous en parler, ça me touche. Oui, on fait parfois trop ça, de se mettre dans la peau de l'autre. Ça, c'est une autre chose que je vais vous partager aussi, comment mettre des limites, comment honorer ses propres limites puis les respecter. Ça sera un autre sujet de vidéo. Mais cette empathie-là, c'est vraiment une belle caractéristique d'être capable, oui, c'est ça, de comprendre l'autre dans sa vérité. Mais bon, on reste humain. C'est sûr que certains jours, cette empathie-là est présente, mais ça peut être plus dur de comprendre la réalité d'une autre personne aussi. Mais le E pour empathy et strong emotion. Et le S pour sensitivity to subtleties. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est hyper sensible, très sensible, à toutes les petites subtilités qui peuvent être manifestées au niveau changement dans notre environnement. Moi, par exemple, que ce soit juste si je vais marcher dehors, oups, le vent change de direction ou arrête pendant quelques minutes, je sens que le temps est en train de changer, comme on dit. Si on arrive dans une pièce parfois, oups, juste notre présence, il y a comme une espèce de mini-silence qui s'installe. Oups, l'énergie vient de changer, on le sent. Une émotion qui s'installe chez quelqu'un à qui on est en train de parler. C'est ça. Au travail aussi, un changement dans l'ambiance. Donc, toutes ces choses-là se manifestent dans notre quotidien. Je vous dirais que l'hypersensibilité se décline sur une échelle, donc il y a un spectre plus ou moins grand. Vous pouvez être un petit peu hypersensible ou très hypersensible. Je vous partagerai un questionnaire justement qui vient de certains livres que je lis, qu'on pourra faire ensemble, que vous pourrez faire dans une autre vidéo pour essayer de voir où vous vous situez sur cette échelle-là. Donc les empathes se situent à l'extrémité du plus intense de la chaîne des hypersensibles. Donc moi je score tout le temps 100% ou 150% dans les tests d'hypersensibilité ou empathe. Donc, les empathes, on partage les caractéristiques d'une personne hypersensible, mais je dirais que c'est poussé un peu plus loin dans le sens qu'on va ressentir des énergies qui sont plus subtiles. On a encore moins de filtres pour bloquer certains stimuli de l'environnement. Donc, énergie des pièces, énergie, comme je disais, de l'environnement, énergie des personnes. C'est ça, c'est vraiment une façon d'être qui fait qu'on doit énormément se protéger, apprendre à se protéger et se le rappeler constamment sans se bloquer, parce que c'est merveilleux de pouvoir sentir certaines énergies. Mais il faut vraiment apprendre à protéger notre énergie parce qu'on peut facilement attraper ou se laisser envahir sans s'en rendre compte par les énergies qu'on capte, comme je vous disais, étant donné qu'on n'a pas de filtre. Le même filtre que certaines personnes peuvent avoir naturellement. Dans le fond, un empathe, ça va ressentir en premier. On est des gens qui fonctionnent énormément sur l'intuition. On est beaucoup dans le cœur, dans le ressenti. et ben, on va devoir prendre une pause après pour analyser. Donc, je ne dirais pas de rendre ça cérébral, mais oui, c'est ça, d'analyser qu'est-ce qui vient de rentrer dans notre système nerveux. Automatiquement, ça rentre au niveau du ressenti. Expliquer que c'est, dans le fond, que d'être hypersensible. Je l'ai appris sur le tard. J'ai 44 ans et peut-être vers 35 ans, je pense, en faisant une lecture par hasard. Je ne crois pas au hasard, donc merci mes anges qui ont mis ce texte de blog sur ma route où je me suis dit mais c'est moi ça, je suis hypersensible. J'ai fait un test et j'ai dit ah, ceci explique cela. Oui. J'ai découvert aussi par la suite que ma fille aussi est hypersensible et empathe. Donc voilà, donc avec cette chaîne-là, c'est ça, j'aimerais ça aussi que vous puissiez être conscientisé, comme je disais, sur le fait de qu'est-ce que c'est être hypersensible et empathe. Donc, découvrir vos dons, votre don, si vous ne le saviez pas encore que vous étiez hypersensible et empathe. Être capable aussi de savoir si votre enfant est comme ça, hypersensible et empathe. Donc, être capable de l'aider, de guider, mieux vivre aussi si votre conjoint, votre meilleur ami, vos collègues sont empathes, hypersensibles. Je pense que ça aide énormément aussi de savoir, de comprendre notre réalité pour être capable d'interagir différemment. C'est ça, avec des personnes hypersensibles et empathes. J'aimerais beaucoup aussi vous partager différentes expériences que j'ai eues, des trucs que j'ai développés, bon, avec mes différentes lectures aussi, mais que j'ai appliquées dans ma vie, pour vous aider aussi à apprendre à mieux gérer votre énergie puis à la protéger. Parce que oui, j'ai subi beaucoup de conséquences au niveau de ma santé. J'en subis encore, parce que bon, c'est un travail quotidien d'être capable de trouver un équilibre dans tout ça. Mais comme je dis, il n'est jamais trop tard. On a toute une vie pour apprendre, donc j'ai vraiment envie de partager toutes ces choses-là avec vous. Puis que vous me partagez vos trucs aussi, parce que j'aime ça avoir des nouveaux outils dans mon coffre à outils pour être capable de mieux gérer mon énergie. Être capable d'utiliser notre énergie à bon escient. Finalement, j'aimerais ça aussi être capable... Pas être capable. J'aimerais ça vous aider à accepter votre don aussi, puis à vivre avec votre plein potentiel avec ce don-là. Parce que pour moi, c'est un don. Bon, je vous dirais que certains jours, j'aimerais peser sur le bouton off pour arrêter quelques instants, quelques heures de tout sentir comme ça. Je pense que quand on l'accepte, on se rend compte que c'est vraiment un don d'être capable d'avoir cette empathie-là, cette grande sensibilité-là à tout ce qui nous entoure, que ce soit la nature, les gens. Ouais. Cette capacité-là de vivre dans le cœur aussi. Je pense qu'on a besoin de sortir davantage de nos cavernes, comme je disais, parce qu'on se protège souvent dans nos cavernes pour se protéger des sursimulations, mais je pense que la planète a vraiment besoin de gens comme nous. Vraiment. Pour changer l'équilibre actuel de la planète. Grosse mission. Donc moi, je me lance seulement comme mission de vous partager ma réalité, d'être empathe, hypersensible, puis de développer une communauté avec vous pour qu'on puisse se sentir moins seul et accueilli dans notre vérité. Donc, je vous remercie infiniment de votre accueil aujourd'hui. J'étais nerveuse, ça paraît peut-être. C'est mon premier vidéo. Donc, je me suis lancée avec vous. Je vous invite à me suivre, évidemment, à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi un compte sur Instagram, Monde Maribelle. Je vais vous mettre les références aussi. C'est mon espace créatif. Donc, vous pouvez me suivre là-dessus aussi. Je vous invite à m'envoyer des messages sur mon compte aussi, si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées de vidéos. Et puis, je vous dis qu'il y a plein de belles capsules qui s'en viennent. Et ben, j'ai déjà très hâte de vous retrouver. très bientôt. Prenez soin de vous.